President, please be seated. Le président. Veuillez vous asseoir. The court is now back in session. L'audience est reprise. The floor is now given la to the lead co-lawyers pour civil parties. Pour les parties civiles. So that you can respond pour to the objections raised by la présentation the de leurs réponses aux objections soulevées par la défense. To those documents listed in paragraph 3 of the memorandum to my les trial documents chamber. That is document que l'on retrouve au paragraphe 3 de l'ordonnance du mémorandum de la Chambre, le document E172-5. Vous avez la parole. Maître Pickang. Good afternoon, Mr. President, Your Honours. Bon après-midi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Good afternoon, everyone. Bonjour à tous. We, as the lead co-lawyers for civil parties, will present our response. Les co-avocats principaux first, I'll take the floor. Présenter leur réponse. Je and serai le premier à prendre la parole, Snowford, the suivi international de lead ma consoeur, la co-avocate principale, will take her turn. I'd like to make some observations to the points raised by the defense teams. J'aimerais faire quelques remarques concernant first, les objections I'd like to touch upon the objections raised by Mr. Sonaron, the defense counsel for Nguyen Chia. Aux objections soulevées par Maître Sonaron, conseil cambodgien de Nguyen Chia. Regarding the photocopies and the scanned documents. Sur le sujet des photocopies et des documents numérisés. The counsel says the authenticity could not be verified. La défense a dit que l'authenticité des documents there ne is nothing pouvait else except the annotation on those documents. And it is insufficient just to rely that the documents were from the Tulsang Museum. The council also demands the original documents from the contemporaneous DK regime. Les documents datant du Cambodge démocratique. Sonaron also said Maître Sonaron that the documents from the National Archives les documents in the provenant same des archives nationales that staff from the National Archives shall be questioned regarding et those que c'était documents. La même chose pour ces documents et que le personnel des archives nationales devait être cité à comparaître these pour are the déposer sur ces documents. Request by Mr. Sonaron, the defense counsel c'était là for les demandes Nguyen Chia. De Maître Sonaron, conseil cambodgien de and Nguyen Chia. We, the lead co-lawyer, are of the view that this is les a very serious les request. Sont d'avis qu'il s'agit là d'une demande très sérieuse. As at this stage, we are talking about the probative value of the documents. Ou plutôt très grave, not car at nous sommes ici à parler de la valeur probante the content, des documents, the factual content et pas of those documents. Pour discuter du contenu de ces documents. For that reason, there is no need to have such a clarification at this stage. Et nous n'avons donc pas besoin d'obtenir de telles précisions à cette étape-ci du procès. This is the prima facie stage of the proceeding regarding these nous en sommes documents. À l'étape for that matter, de la procédure où nous examinons les indices à première source vue of the des photocopies documents. Of those documents from DCCAM, from also from the two representatives of the DCCAM Center nous regarding the provenance and the chain of custody of those DCCAM documents are more than sufficient. De conservation de ces and documents. That cela est, cela these a été documents suffisant. Prima facie relevant et ces documents and that sont pertinents they à première shall vue be admitted for consideration. Et doivent être jugés recevables par la Chambre. Another point that Mr. Sonaron raised Maître Sonaron regarding a aussi the soulevé witness Dutch, as the name Dutch was suivante. Also mentioned in the last il, few il days during these proceedings. Du témoin Dutch dont le nom a so été I mentionné believe, à plus d'une reprise au cours des audiences des there derniers is no jours. Problem in mentioning his name. Il n'y a donc pas de problème à parler de Dutch, the counsel de said de le nommer.
hit a very small role as he was only a chairman of S21 and that he would not be Deutsch in a position to know details about the affairs of the central or the standing committees. It seems that he would have a role as high as Pol Pot. And for that reason, he requests the trial chamber to reject all the statements made by Deutsch during case 001. De Deutsch faite dans le cadre du procès 1. It is unimportant as to the role of Deutsch during that regime. Le rôle de Deutsch sous le Kampuchea démocratique ou sa position n'est pas l'aspect le plus important. There is no point to reject his statements because he did not hold a senior position during the regime. Le fait qu'il n'ait pas eu un rang élevé ne signifie pas que l'on peut rejeter ces déclarations. This kind of request is unjustifiable, in particular in the term of the role of Deutsch. Cette demande it is not est donc inappropriée. Justifiable as to the knowledge that he has regarding the details of the affairs of the central or the standing committees. N'est pas justifié the question is compte how tenu des connaissances qu'a Deutsch, how Deutsch des came across du régime. Such information and what did he do in his role in regards to the administrative and communications structure of the et regime. En quoi cela porte sur we shall les consider structures administratives this, et les systèmes de communication. And that his information can be examined. Il faut donc étudier les renseignements que fournit Deutsch. To be questioned in the proceeding in this case. Je crois comprendre que Deutsch sera appelé à déposer dans an approach in order to verify or examine the statements that he made. Et cela est nécessaire pour justement vérifier les déclarations qu'il a faites dans le cadre du procès 001. The statements or testimonies by Deutsch in case 001 are also subject to examination by your honors, the bench, in case 001 before you reach your judgment. Étudié et sous-pesé par le juge. Therefore, his statements in case 001 should not be et donc, rejected. Il ne faut pas rejeter ces déclaration faite dans le cadre du procès 001. When Mr. Sonaron talked about witness plus, Maître Sonaron as proposed by Kiel Sampan's team parler de témoin proposé who is par l'équipe currently de working in the prosecution office. Un témoin qui travaille actuellement au bureau des coprocureurs. Il s'agit du témoin TCW 726. The counsel mentioned that the photocopied and scanned documents. Le conseil en effet dit que les documents prosecuting materials and documents that des éléments de preuve contain doubts and so cannot be assertive. Et que des doutes planaient sur ces documents et qu'ils ne sont pas définitifs. Is of the view that what is important is that these documents are relevant and it is not necessary that those documents c'est are la pertinence de ces documents et precise. Leur précision n'est pas these documents can be taken into account l'on and can be considered further by the judges. De ces documents. Et les juges pourront les consulter. The fact that the document has to be beyond reasonable doubt cannot be used as a mechanism to admit documents. L'on ne peut demander qu'un document soit rejeté car documents should son be considered contenu n'est peut-être pas définitif hors de tout doute raisonnable. Those documents could assist
the judges. Ces documents peuvent aider les juges. To ascertain the truth with beyond the reasonable doubt. Therefore, the documents made by TCW 726. Et donc les documents produits par TCW 726. Rather, TCW 729, ces documents sont pertinents et peuvent être un aspect de la vérité. The last point that I would like to raise before I hand Elizabeth over to my colleague. Le dernier point que j'aimerais soulever, c'est la parole à ma consoeur, Simona Ford, is to respond to Councillor Carnavas and je souhaite répondre Council aux objections soulevées Quiche. Par Maître Carnavas et Maître Guisset. Mr. Carnavas said that Maître Carnavas for those witnesses who are not testified or who do not take an oath que les témoins cannot have their testimonies considered. Plutôt que les témoignages de personnes ou les témoins n'ayant pas prêté serment ne peuvent être considérés. I submit that it is inappropriate and this is not reflected in the Cambodian practice. Et que cela n'est pas la pratique cambodgienne. In practice, when it comes to civil parties, if you say that we required civil parties to take dans an oath pratique, so that their testimonies can be considered, cela veut-il dire que les parties civiles doivent aussi prêter serment pour que l'on considère leur déclaration? The reason is that civil parties are not required to take an les oath. Parties civiles n'ont pas à prêter this has serment, been stipulated in the internal et rules. Cela est prévu par le règlement intérieur. That civil parties are not required les parties civiles n'ont pas à to take an oath prêter serment as a witness. Pour être considérés comme des témoins. Mais si on a un peu de temps, on a un peu de temps. Unless there is uncertainty in the testimony, then the person shall be called to be questioned, and there is no need for the civil party to take an oath before the statements can be admitted. Déclaration et qu'il faut il faille faire venir la personne. La personne n'a pas besoin de prêter serment pour qu'on puisse juger sa déclaration. Voilà qui met fin à la réponse aux objections de la défense. Et j'aimerais maintenant laisser la parole à ma consoeur. Counsel, you may proceed. La parole est thank you, Mr. à la President, défense. And good afternoon to everyone. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Je ne me souviens pas d'avoir parlé des parties civiles dans mes, et d'avoir dit qu'elles devraient prêter serment. Je comprends ce que dit Maître Picang, peut-être y a-t-il quelque chose de perdu dans l'interprétation, mais je ne me souviens pas avoir évoqué quoi que ce soit ayant quelque chose à voir avec les parties civiles prêtant serment, peut-être confond-il avec quelque chose d'autre. Le Président, thank you for your remark, pour cette observation. The floor is now given. Et la Chambre laisse maintenant la parole à la co-avocate principale pour les parties civiles. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à tous. Good morning. Good afternoon, rather, to the bench. Je vais, une fois de plus, conclure en quelque sorte cette question des objections. C'est la troisième audience que nous avons sur ce sujet des objections aux documents. Nous avons eu une audience au mois de janvier, une autre en février, et nous avons maintenant cette audience au mois de mars. Je vous ferai d'abord un aveu. J'ai quelques doutes et je ne suis pas très sûre
que nous ayons tous ici une exacte et commune idée du cadre de la discussion que nous avons, du contenu de cette discussion et des conséquences de ces débats sur les objections d'une façon générale. Ayant de tels doutes, j'ai préféré, pour fonder notre réponse, m'appuyer sur certaines règles légales et m'appuyer aussi sur des décisions de la Chambre, puisque je pense que c'est un socle solide pour la suite de ce qui se passera après ces débats. Ma première référence est la référence à la règle 87, et j'irai très vite, puisque M. le coprocureur national hier a évoqué cette règle 87, qui constitue ni plus ni moins que le cadre procédural de notre discussion sur les objections et les documents. Le coprocureur national hier a insisté sur le fait que la preuve devant les CETC était libre, ce qui paraît un élément essentiel. Il a également rappelé les conditions dans lesquelles les objections devaient être soulevées, qui sont les conditions de la règle 87.3. Et je pense que nous devons nous tenir à ce cadre procédural qui est celui, encore une fois, des CETC. À côté de cela, je souhaiterais également faire référence à quelques décisions de la Chambre qui me paraissent importantes pour examiner les objections qui sont soulevées aujourd'hui par la défense, plutôt hier et avant-hier. Il y a d'abord et évidemment votre décision E43/4 prise dans le dossier 001 en date du 26 mai 2009. Je ne rappellerai pas le détail de cette décision que tout le monde ici connaît parfaitement, et la Chambre en particulier. Mais dans cette décision, la Chambre avait pris le soin d'expliquer précisément cette règle 87, je tiens compte bien sûr du fait qu'il y a eu des modifications de cette règle entre-temps, mais la Chambre avait posé quelques bases et je pense que nous pouvons tous nous y référer. De la même façon, dans cette décision prise dans le dossier 001, la Chambre avait rappelé un certain nombre de règles sur les pièces de procédure et les actes des juges d'instruction. Mais j'y reviendrai. La deuxième décision de la Chambre, qui me paraît importante par rapport aux objections dont nous discutons, particulièrement par rapport à la pertinence et au champ du dossier 002/01, c'est le document E124.7.2 qui est l'annexe de votre décision E124/7. Excusez-moi d'ailleurs, le document que je vise, c'est E124/7.2, annexe du document E124/7, qui est votre décision du 18 octobre 2011, répondant à la demande de modification de la disjonction des coprocureurs. Dans cette annexe, où sont énumérés tous les paragraphes de l'ordonnance de clôture sur lesquels nous allons discuter dans le premier procès, il est clairement indiqué que le paragraphe 156 de l'ordonnance de clôture fait partie de notre discussion. Ce paragraphe 156 évoque, nous le savons tous, les cinq politiques du Kampuchea démocratique. Nous avons bien compris que la Chambre faisait une distinction
entre les conceptions de ces cinq politiques, je dirais leur notion théorique et la mise en œuvre. C'est tellement vrai que dans ce même document, E124-7.2, la Chambre prend le soin de préciser que les politiques telles que mises en œuvre ne seront pas évoquées à l'exception des transferts forcés. En revanche, les politiques en tant que notion théorique peuvent être discutées. La troisième décision qui me paraît importante pour fonder notre réponse, c'est la décision E-159 prise par la Chambre le 11 janvier 2012. Cette décision précédait la première de nos audiences d'objection sur les documents. Et la Chambre, dans son paragraphe 8, à deux reprises, indique clairement que nous ne discuterons que des objections qui ont été écrites préalablement dans des mémoires déposées dans un délai qui était, sauf erreur de ma part, au 5 janvier. Je n'ai pas vu depuis lors de décision qui modifiait cette règle du fait que nous ne discutons que des objections qui ont été écrites par les parties avant le 5 janvier. Je ne l'ai vu dans aucun document. J'en viens maintenant aux objections qui ont été soulevées. Pour ma part, j'ai pensé distinguer les objections en deux types. Il y a d'abord des objections qui sont des objections de principe, qui se fondent sur des principes légaux ou des principes dégagés par la jurisprudence, principes qui ont des effets sur la recevabilité des documents et notamment qui font référence, me semble-t-il, à la règle 87.3 lorsqu'elle dit que des documents peuvent être écartés parce que leur production serait interdite par la loi. Mais il n'y a pas que ça. Et il y a une deuxième série d'objections sur laquelle je reviendrai ensuite. Sur ces objections de principe qui se fondent sur des principes légaux, là encore, je crois que la Chambre a répondu déjà à plusieurs reprises à plusieurs des objections que nous avons entendues en janvier, réentendues en février et réentendues au mois de mars. Je ne dis pas d'ailleurs que ce ne sont pas des objections importantes. Et la première d'entre elles, d'ailleurs, et l'objection qui est relative aux aveux. Je crois qu'il est nécessaire de distinguer les aveux des biographies. Nous avons eu hier une longue explication des procureurs à laquelle nous souscrivons concernant les biographies. Les biographies, dès lors qu'elles ne sont pas obtenues sous la torture, sont bien sûr recevables et ne peuvent pas être analysées comme le sont les aveux. En ce qui concerne les aveux, nous avons indiqué le 16 février notre position et nous avons dit que, en ce qui nous concernait, nous souhaitions voir appliquer l'article 15 de la Convention contre la torture et surtout la jurisprudence de la Chambre qui précisément s'appuie sur cet article 15. Je note d'ailleurs que la Chambre, dans sa décision E-162 du 31 janvier 2012, à son paragraphe 9, semble s'étonner que l'on soulève encore cette question des aveux et rappelle qu'elle a déjà répondu sur cette question et qu'elle a déjà rendu des décisions sur ces aveux. Je souhaite simplement que ces décisions soient appliquées, ni plus ni moins. Il se peut bien sûr que la Chambre ait à rendre une décision plus précise sur ce qui concerne les annotations à ces aveux ou des documents accessoires à ces aveux à la suite des observations qui ont été faites à l'instant par M. le procureur international. Mais sur la base de ce sujet, je crois que la Chambre a indiqué
dans sa décision E62 qu'elle avait déjà rendu des décisions précédemment. Il y a aussi dans ces objections fondées sur des principes légaux la question des déclarations de témoins et du droit à une confrontation de la part de l'accusé. Cette objection a été soulevée par plusieurs équipes de défense. Il y a deux questions, bien sûr, à trancher à ce sujet. Et en ce qui nous concerne, nous souscrivons d'une part à la jurisprudence internationale et d'autre part aux explications très détaillées qui ont été données par messieurs les procureurs hier sur cette question. D'abord, nous estimons qu'il convient de ne considérer comme témoins que les seules personnes qui sont entendues dans le cadre d'une procédure, c'est ce qui est appliqué dans la jurisprudence internationale et c'est ce que nous souhaitons aussi voir appliqué. Il paraît évident, peut-être plus encore pour un juriste de droit romano-germanique, que les témoins s'entendent de ces personnes entendues dans le cadre de la procédure et non pas des auteurs d'articles, de livres, de films ou de tout autre document qui n'ont pas été, qui ne se sont pas prononcés, qui n'ont pas fait de déclaration en qualité de témoin. En ce qui concerne ces seules déclarations de témoins, nous souscrivons à la jurisprudence internationale et nous considérons effectivement que dès lors qu'elles mettent en cause les actes et le comportement des accusés, on ne peut pas s'opposer à un droit de confrontation. Il y a ensuite dans ces objections de principe des objections qui sont relatives aux notions d'authenticité, de fiabilité, de pertinence et la question accessoire des originaux. Sur ces points, j'irai très vite. Je crois que la Chambre, dans sa décision E162, que j'ai déjà visée, a donné des informations précises sur sa façon d'analyser la notion de fiabilité, celle d'authenticité. La Chambre a également, dans cette même décision E162, donné des informations précises quant à sa position sur les originaux et l'opportunité de les produire ou non. Il y a ensuite la question des actes d'instruction. Et des objections notamment ont été soulevées quant aux annexes 14, qui sont des rapports d'identification de sites, et aux annexes 20, qui sont des rapports de commissions rogatoires. Sur ce point encore, la Chambre a à plusieurs reprises rappelé la valeur des actes du juge d'instruction et des actes effectués sous la commande du juge d'instruction dans sa décision E162 au paragraphe 3, que nous connaissons tous par cœur, mais aussi dans sa toute récente décision qui est datée par erreur du 13 mars 2011, mais qui a été rendue hier le 13 mars 2012, et qui porte le numéro E142-3. La Chambre rappelle que les juges d'instruction, en leur qualité de magistrats, ont procédé à des actes qui ont une valeur juridictionnelle. La Chambre rappelle que les commissions rogatoires et les documents effectués à la demande du juge d'instruction sont des pièces de procédure et que ces pièces de procédure sont couvertes par l'ordonnance de clôture, outre le fait que les décisions du juge d'instruction ont été susceptibles d'appel pendant de nombreux mois
et que ces décisions sont aujourd'hui, ont aujourd'hui une valeur identique aux décisions que rend la Chambre de jugement. La Chambre, dans sa dernière décision rendue hier, rappelle aussi qu'il ne suffit pas d'évoquer une éventuelle partialité des juges d'instruction pour que cela constitue une vérité et que, tout au contraire, le fait que les juges d'instruction aient versé de nombreuses pièces au dossier, y compris des enregistrements qu'ils n'étaient pas obligés de faire, et la preuve qu'ils n'avaient en aucun cas le souhait d'être partiaux ou de cacher quelque chose. Je crois que ces décisions sont importantes. Either hiding anything or being in any way partial. Nous comprenons que la Chambre va prendre certaines décisions par rapport à ses objections de principe. Nous comprenons aussi qu'elle devra peut-être compléter certaines des décisions qu'elle a rendues. Et nous pensons qu'elle a d'ores et déjà tranché un certain nombre de ses objections de principe. À côté de ces objections de principe, je voudrais maintenant aborder les autres objections, plutôt ponctuelles, qui se sont adressées soit à des catégories de documents, soit à des documents très spécifiques, et qui, de mon point de vue, ne sont pas toujours clairement reliées aux objections écrites des parties. Ces objections s'adressent soit aux pièces du procureur, soit aux seules 10 pièces parmi les nôtres qui sont discutées aujourd'hui, puisque les autres seront discutées plus tard. Je voudrais, dans un tout premier temps, écarter l'objection qui est liée au problème de traduction. Je ne crois pas que le fait qu'un document ne soit pas traduit à ce jour soit un motif suffisant d'irrecevabilité à ce stade des débats, tant que la pièce n'est pas utilisée concrètement, tant qu'elle n'est pas produite et débattue concrètement à l'occasion d'un sujet particulier. Lorsque nous avons rencontré le problème de la traduction pour les constitutions de partie civile, nous avons fait en sorte de régler ce problème, nous avons fait des demandes de traduction et nous avons utilisé ces documents de façon parcimonieuse dans la langue comprise par les accusés, ainsi que nous l'avait proposé la Chambre. Nous ferons exactement de même si la situation se présente. Et j'indique aux parties et à la Chambre aujourd'hui qu'en ce qui concerne nos 10 documents, nous avons d'ores et déjà demandé des traductions et que nous avons également à côté de cela demandé la traduction d'autres documents puisque nous en avons beaucoup. En toute hypothèse, cette question de la traduction ne peut pas être a priori aujourd'hui une objection raisonnable et fondée. Il y a par ailleurs eu beaucoup d'objections qui étaient liées à la pertinence des pièces produites et au champ du dossier 002/01. Il a été dit que beaucoup de documents ne rentraient pas dans le champ de ce premier dossier du cas 002. À cela, je répondrai deux choses. Let me answer in two ways. La première chose, c'est que, first, à plusieurs reprises, depuis la disjonction, la Chambre a indiqué qu'elle se réservait le pouvoir discrétionnaire d'élargir le champ du premier procès à d'autres sujets que celui qui a été défini au mois d'août
2011. La Chambre l'a dit d'une façon très claire. Dans son document E-172, qui date du 17 février 2012, puisqu'elle dit, je cite, « La Chambre rappelle ce qu'elle a déjà indiqué dans l'ordonnance de disjonction et d'autres décisions qui en découlent, à savoir qu'à des fins de bonne gestion du procès, il relève de son pouvoir discrétionnaire d'étendre la portée du premier procès dans le dossier 002. Si tel devait être le cas, les parties en seraient informées dans les meilleurs délais. La Chambre ne l'a pas dit une seule fois. La Chambre l'avait déjà dit avant. Elle l'a redit ensuite, notamment dans E-172-1, qui est sa décision du 24 février 2012, elle l'a redit encore dans E-172-5, qui est sa décision du 2 mars 2012. C'est donc une hypothèse qu'on peut considérer comme tout à fait sérieuse, et à partir de ce moment-là, il est normal pour une bonne gestion du procès, et je dirais, selon la formule consacrée, une bonne administration de la justice, de conserver au dossier des pièces pour lesquelles aucune objection fondée sur la règle 87.3 n'a été soulevée jusqu'à maintenant. Comment imaginer d'écarter aujourd'hui des documents si la Chambre laisse ouverte très sérieusement cette possibilité d'ouvrir le champ du procès à d'autres sujets? Mais il y a une deuxième raison, une deuxième réponse que je souhaite apporter à cette question de pertinence et de champ. Dans sa décision E-145, qui est une décision du 29 novembre 2011, la Chambre a également indiqué que dans des circonstances exceptionnelles, elle permettrait que les témoins ou les experts ou les parties civiles soient entendus sur la totalité du cas numéro 2. Cela signifie que, certes, dans des circonstances exceptionnelles, mais l'hypothèse est nécessairement ouverte, il est possible que des personnes viennent ici témoigner ou déposer au-delà du champ du premier petit procès. Pour cette raison encore, il paraîtrait injustifié d'écarter des documents au prétexte qu'ils ne seraient peut-être pas dans le champ du premier procès, alors que nous risquons d'avoir à interroger des personnes au-delà du premier petit procès. La défense a ensuite soulevé diverses objections qui, de notre point de vue, sous le terme de recevabilité, relèvent davantage de la force probante. Deal with probative value et depuis rather trois than jours, admissibility for mais the last c'était déjà le cas days, en février et c'était déjà le cas en janvier, during our set of hearings in February, il y a des démonstrations January, de la défense the defense qui débutent sur le terme de recevabilité the terms et qui s'achèvent sur le terme de force probante. And try to make arguments with respect c'est assez to compréhensible this is understandable. Parce qu'il y a visiblement une confusion obviously, there seems to entre be a ce qu'est la fiabilité, confusion between what defines un terme que reliability, la Chambre a défini notamment dans sa décision E-162, et ce que peut être la force probante. Je prendrai un exemple parmi nos pièces qui ont été contestées, le document D-250-3.37. C'est un document écrit par un étudiant de 22 ans
document that was drafted by a 22-year-old student. La défense de Kyo Sampan a indiqué the defense for Kyo Sampan que ce document n'était pas fiable, contends that this document is not reliable, entre autres parce qu'il était écrit par un étudiant reasons, de 22 ans. One of which is because it's written by a 22-year-old student. Je ferai d'abord observer que je crois, pour ma part, que l'acuité intellectuelle d'une personne de 22 ans I personally believe that vaut parfois autant the que l'expérience professionnelle de 30 ans d'une autre personne. Mais c'est un point de vue personnel. Be of equal value to a full-fledged professional. That is an entirely personal opinion. D'écrire un article nevertheless, the fact that the student has written an article at the age of 22 years does not mean that this document is not reliable. De cet article, un it does not make this document falsifié. Ne fait pas a forgery. De cet article, it does un not article render non this document par inauthentic. Je considère such, que cette objection qui a été faite de façon générale n'a pas terms, d'intérêt dans le débat qui nous occupe aujourd'hui sur la recevabilité. La Chambre appréciera la force probante de ce document comme elle en a le droit le plus strict par la suite. The shall on the je prendrai un autre exemple document, parmi les pièces du procureur. As it has always done. Il a été dit au sein de l'annexe 16, it was also stated that within un document vidéo devait être écarté video recording that should be dismissed because it was characterized as, I quote, partisan or je ne crois biased. Pas que Once le fait qu'un document soit partisan believe that just because a document happens to be en quoi que ce politically soit partisan son authenticité should undermine ni sa fiabilité its authenticity ni sa force, or should ni compromise sa bien its relevance or reliability encore, and its potential probative value. Once again, it is up to your honors to determine the probative value. Vietnamiens en janvier 79 au Cambodge. It is mais c'est une question de force probante. A document ce n'est pas that deals with the Vietnamese arrival in 1979. La défense a également soulever des objections qui tenaient also leveled particulièrement specifically à nos pauvres 10 documents to et au titre de ces documents, documents qui laissaient penser qu'ils ne rentraient pas and contended that dans le our champ documents du dossier 002/01. J'ai indiqué tout à l'heure pourquoi il me paraissait important de conserver un certain nombre de documents to dans la mesure où il se peut que des personnes parlent de choses au-delà du champ de ce premier procès et dans la mesure où la Chambre se réserve la possibilité d'étendre le champ. Goes above and mais beyond j'ajouterai this first stage of the trial. Il ne suffit pas de s'arrêter however, au seul titre d'un document pour considérer qu'il ne rentre pas dans le champ du procès. Et à ce sujet, je donnerai simplement deux exemples concernant le document D357.1.22. J'invite les équipes de défense à lire les pages 24 à 26 I would invite de ce all document, defense teams to read pages 24 to 26 of this document, 125, and to also review pages 121 to 125. To this day, they are only available in English, mais and qui évoque, we have submitted our translation request. Très précisément, however, les this document forcés numéro 1 describes very clearly the forced transfers 1 c'est and dire 2. Que ce document est parfaitement recevable all of this points to the fact que that this document is entirely admissible ne sont pas fondées and that the objections raised to it encore are une fois unfounded. Il nous appartiendra once bien again, sûr de produire les extraits pertinents au débat we have the responsibility to d'en submit obtenir la the relevant traduction passages dans toute la mesure du possible au préalable to submit requests et au moment for translation opportun. In a timely et il manner. Appartiendra ensuite à la Chambre d'en, d'en apprécier la force probante. To establish mais the en probative aucun value cas, la question de recevabilité however, ne peut se poser à ce stade. No. Enfin, scenario should the issue je voudrais of simplement, en dernier lieu, quant aux objections soulevées, et avant de conclure, indiquer que before I make my concluding remarks. Messieurs les procureurs,
ont également beaucoup insisté. I want to point out that the co-prosecutors sur la nécessité laid great emphasis on the need d'accepter des documents dans ce dossier qui tenaient au contexte documents of this case file de ce que vous allez juger. The context, ce the contexte étant évidemment primordial pour apprécier chaque fait que vous examinez. These documents are of nous souscrivons totalement à cette argumentation importance. Des procureurs et je ne vais pas reprendre we ici subscribe entirely to the arguments l'argumentation that have been qui a été developed by the co-prosecutors, il y a deux jours, je crois. And I will not repeat those arguments that have been expanded pour upon conclure, for the last je dirais two days. In conclusion, nous demandons à la Chambre, bien sûr, de rejeter toutes les objections I would say that clearly we are asking the Chamber to qui concernent dismiss all of nos the objections that concern our particular 10 documents. Précise que ces 10 documents these 10 documents sont une infime partie des pièces que nous avons produites are puisque nous avons aussi produit toutes les pièces de notes de bas de page de l'ordonnance de clôture documents we intend to submit et que nous avons aussi they are produit part and parcel of the toutes les constitutions de parties civiles avec leurs annexes. The closing, nous in l'avons the footnotes fait of the closing parce qu'il était order, tout à fait normal de le civil faire party dans une applications procédure telle que celle des CETC qui est une procédure de droit romano-germanique. The procedure that governs, that nous the l'avons ECCC fait parce que c'était essentiel by, de le faire civil law. And we therefore believe parce that it is necessary nous to nous do demandons so. Ce que serait une procédure de droit romano-germanique because this is a civil sans law les pièces procedure, qui ont fondé l'ordonnance de clôture des juges d'instruction that comprise the et sans les constitutions de parties civiles qui ont fondé la recevabilité et la présence de celles-ci au dossier. En toute hypothèse, nous demandons pour les raisons qui précèdent à la Chambre de rejeter out, les objections de la défense dont aucune ne nous paraît fondée à ce jour. Dismiss merci. All of the objections that have been raised by the defense and we, which we believe have no grounds. Thank you. President, thank you, the international lead co-lawyer, for je your vous remercie response. Pour votre réponse. Before the adjournment for this afternoon, avant que l'audience ne soit suspendue cet après-midi, the chamber would like to inform the defense teams and all the concerned parties that for tomorrow proceeding, we shall commence with the reply by the three defense teams to the response by the prosecution and the lead co-lawyers. Aux réponses des co-procureurs. The time allocation for the three defense teams is a 1 hour time limit. Chaque équipe de so défense you aura can une heure. Allocate the times amongst your teams. Il y aura une heure pour toutes les équipes de la défense corrige l'interprète. If nous you decide not to reallocate the time amongst si yourself, then each team would have 20 minutes le temps, to reply to the response by the prosecutions and the lead co-lawyers. Pour pouvoir répondre aux déclarations des coprocureurs et also, des parties civiles, tomorrow, des avocats des parties civiles. We will continue hearing the request demain, by the nous prosecution. Aussi. Et nous donnerons la parole à l'accusation on the request for a video afin de leur link permettre through de a witness, parler de la PCW question 38, de la conférence audiovisuelle avec le témoin W38. And also there is a request TC by In Service Defense for 38, additional une, documents from the expert in advance afin before un certain nombre de documents the expert avant is que due to give ne testimony. Témoigner. These are the remaining issues that voilà shall be discussed tomorrow. Qui seront évoquées demain. As to the witness TCE 38, s'agissant du témoin TCE 38, is the person named Bent Kiernan, and the name Bent Kiernan can be used openly tomorrow. Et ce nom pourra être utilisé de façon ouverte. Today's proceeding has come to an end.
We will adjourn the hearing today and continue tomorrow. I noticed the defense counsel is on his feet. You may proceed. Your Honor, good afternoon. I don't mean to make this a habit, but I have a brief request. Could we be informed, please, as to the schedule for Monday, as to the envisaged schedule for Monday, and could we also request perhaps 10 to 15 minutes of time tomorrow to make submissions on the issue of Monday's schedule if you're intending to schedule both DOIC and Wanchia for a full day? De l'ordre du jour de lundi, si vous avez l'intention d'entendre et DOIC et Wanchia lundi. The President, Judge Cartwright, you may proceed. Thank you, President. By both for a full day, I presume you mean half a day half a day, each. Piece, exactly. Thank you. Maybe I should clarify. It's our position that if DOIC is testifying for half the day, Nunchio would wish to be present in court to effectively participate in that. And then if he's also going to be asked to effectively participate, obviously in his own testimony for half a day, we take the position that's not feasible and we'd like to make submissions on that. And we'd like about 10 or 15 minutes tomorrow, time permitting, to do that, if that's what the chamber intends to do on Monday. Si c'est ce que la chambre envisage de faire lundi. And I believe we've communicated this to the senior legal officer, nous avons fait part, so this should not come as a surprise to the chamber. Position à Madame Lam, donc notre position ne devrait pas surprendre la chambre. Nunchia's defense counsel. The chamber actually informed the parties yesterday that due to the early conclusions of the scheduled items for the proceedings, we've moved the hearing accordingly, and the time for questioning the accused and hearing the testimony of the witness shall be moved to Monday next week. Nous entendrons donc l'accusé et le témoin la semaine prochaine. And as scheduled for morning session, we shall question the accused. Le matin, nous and for the afternoon session, we will hear the testimony of a witness or an expert, depending on the individual schedule, selon, and this is a regular schedule for the proceedings, and we will not change that. Et nous n'allons pas changer requests, cette façon de procéder. S'agissant de votre demande, nous en tiendrons compte, nous allons l'examiner. Including the possible challenge between Nunchi and Deutsch, we already received that request and we shall consider it in due course. That is a separate matter from the regular proceeding. Il s'agit d'une question différente de la procédure habituelle. At this stage. À ce stade. Thank you. So just so I understand you, Nunchi will testify in the morning, si bien, and DOIC is that next scheduled witness that you're referring DOIC to for the afternoon. Qui est prévu pour and on our request to make oral submissions, that's been denied. De présenter des tomorrow, on the issue, on the objection that we will demain, make to that schedule, est-ce que cette demande est rejetée ou est-ce que vous y faites droit? In other words, could we have 15 or 20 minutes to address that point tomorrow? 10 à 15 minutes pour traiter de cette question demain.
I believe we already made it clear. Je pense que nous avons déjà clairement indiqué regarding the factual proceeding, que s'agissant it shall be following the regular pattern or approach that we are taking nous so allons far. Suivre la procédure habituelle qui a été suivie and jusqu'à I believe ce jour. It is clear enough, and there is no Je need for you to clair. Make additional requests regarding this matter. Vous n'avez pas besoin de faire des observations and supplémentaires. And that is the decision of the trial chamber. C'est là la décision de la chambre de première instance. And if you believe that your client saw present in order to challenge the accused, en effet, that is the decision of your client and yourself. C'est une décision que votre client doit prendre et une décision que vous devez prendre. Be questioned in the morning and then to sit in the courtroom in the afternoon to challenge the testimony of a witness or an expert. De remettre en question le témoignage d'un expert. And this is going to be a regular approach that we are going to take in the proceedings in this case. Et qui sera adopté de façon régulière au courant de cette procédure. Thank you, Your Honor. Perhaps I'll try again tomorrow. Je vous remercie. Monsieur le Président, je reviendrai peut-être sur cette question demain. Counsel Canavas, you may proceed. Thank you, Mr. President, and good afternoon, Your Honors. If I may be heard briefly, because this may touch upon my client at some point in time, and therefore, if with leave, I would like to just explain the position that is being made at this point in time. An accused, if he or she is healthy, may be able to sit through morning and afternoon. The application that is being made is that because of Mr. Nunchia's age and inability to follow the proceedings in court, and though he wishes to be in court, he cannot be here. It is not the same for him to be in the holding cell, where, as you note, whenever an accused wishes to go to the holding cell, they sign a waiver being present. Here, the accused is asking to be actually present. And it's a matter of not only fundamental rights, but also due process rights and equal protection. In other words, a healthy individual would enjoy more rights than an older person or an ill person. This issue was raised in Milosevic, where Milosevic intended to be, wished to be present in court. So, if, to suggest that Nunchia can give evidence in the morning and then participate in the afternoon in court, what if he physically cannot? What if he physically cannot, and then he goes to the holding cell, and he's lying there, and he's sleeping because he's fatigued? Is that participation? If that is the case, then why are the accused signing waivers every day or putting the thumbprints on it? And so I think that's the fundamental issue, because it may touch upon our client at some point. He may wish to be present in court when he physically cannot be because he's fatigued. Obviously, that may be on a very rare occasion. But here you're having a witness who is directly going to be talking about a particular accused. And I think that's what is being requested. I apologize if I'm stepping over anyone's toes. I wanted to make sure that a decision isn't made that may affect us in the future. Perhaps the trial chamber wishes to brew this matter over, and written submissions can be filed, brief written submissions by the parties if necessary. But I think that is the fundamental issue here. And I apologize for taking the time. And while I'm on my feet, let me also apologize for coming here late twice today. I will endeavor never to have that occur again. Thank you. De mon mieux pour ne plus jamais arriver en retard. Je m'excuse.
wants to consider it overnight. Hello, Mr. President. Hello, le président. Defense Council for Nunchia. Le Conseil de la Défense de Nunchia. Can you now express your position clear regarding this matter? Nous expliquer so then we can get a response from the prosecution, and we will consider all the requests made by the parties, et nous pourrons donc and we may make a decision tomorrow. Des positions différentes parties et rendre une décision demain. Because actually we already ruled parce on que this nous avons matter. Déjà rendu une décision sur cette question. And for that purpose, we established the audio-visual communication et c'est pour cela, justement, for the room que nous downstairs. Avons mis en place un système de communication audiovisuelle avec la salle in de tension provisoire. Et c'est ce que nous avons maximum. Fait justement pour pouvoir respecter les droits des accusés au maximum. So that if the accused cannot participate donc, si directly un accusé in the court room, directement dans le pretoir, then we try our best for alors, the accused to follow the proceeding in the waiting room downstairs. Dans and la another person can actually communicate with their counsel. Cette personne peut communiquer avec son conseil. Of course, unless there is a new sûr, event occurs, à moins we qu'il n'y ait saw un it here through the process that we have applied so far. Soit survenu, and nous souhaitons if there is nothing major happens, établi. Then there is no need to make any changes to the current practice. Pas la peine anyhow, we will hear the request by the Defense Council. Je vais you maintenant proceed. Donner la parole au Conseil de la Défense. Vous pouvez poursuivre. Thank you, Mr. President. Le Conseil de la Défense de Nunchia. Our request was to be allowed to speak about this particular issue for 10 to 15 minutes. To be honest, I think it will take more likely 15 minutes je pense que cela than 10 minutes. 15 minutes tomorrow, pas 10 minutes. If I'm allowed to make my arguments or my submissions now, which I can do if I si vous have que to, je prenne la parole and je the le ferai, prosecutor si is allowed to respond, si then, respond, and then I'm sure in Defense Reading 3 will also be eager to respond. I think everyone will miss the bus. La parole, I would prefer to do this donc, tomorrow, avec votre and it would also allow us to reply demain. First to what cela nous permettra de répondre the prosecution has said dans un premier temps on à the documents. Ce que l'accusation aura dit sur les documents. So my request is, donc, can we do de this tomorrow formuler, when there is enough time to do it, demain, and nobody will be rushed because of this bus faire, that leaves at 4:30. Nous ne serons pas obligés de nous presser ou de nous précipiter à cause de ce bus qui va partir. President, le président. Thank you for your comment. Je vous remercie. The court is now adjourned and we shall resume tomorrow morning starting from 9 a.m. à 9h. Security guards are instructed to take the accused back to the detention facility. And bring them back here tomorrow morning before 9 a.m. dans le prétoire avant 9h du matin.